go more. I'll try one more time, the last race of the season, and yeah, I'm looking forward to it. Il y a deux possibilités. C'est un mix de plein de choses, la visite avec les partenaires, la présence sur le sport. On reprise tranquillement l'entraînement, tout l'hiver, du pontier, et puis on va vite arriver aux prochaines courses de 2019. Ça fait pas de mal en tout cas. Pour ceux qui voudraient poser la question, bah, plus tu dis pas aujourd'hui, dernière question. Ça fait plaisir. Je m'en foutais cette première ligne, belle première ligne internationale. Et les pilotes qui sont ici, on a quand même les fils champions. Afin de laisser ensuite le coureur de se concentrer, du titre dans l'ordre. Il pose ses contributions. Le public, à la deuxième, le mettre les mains. Comme ça, si vous pouvez vous donner les mains, on va prendre des photos tout à l'heure. Et on y va pour la deuxième du camping. Chez les cadets, c'est ce que j'ai. Allez, tout le monde. Voilà, les classements sont joués hein, pour toutes ces catégories. Certains sont des du vélo là maintenant. La France générale finale de la Coupe du Monde cette saison est 6e des champions d'Europe. Et bien il a varié. Il a pris aussi la 2e place scratch en 2016 derrière Jordan Sarrou. La 97e qui va nous rejoindre ici. Et derrière, on va voir comment ça s'est organisé. Pour une deuxième victoire sur le classement du Rock d'Azur après la victoire en 2012, victorieux en 2018, la 35e édition. Stéphane Tampier, très très belle victoire. Très physique et on va accueillir encore un ancien vainqueur, Jordan Sarrou, la 3e position. Ça a pas marché, et puis là, ça va. Bon, écoute, je te laisse continuer à chercher la solution avec
les arrivées ici et la course des hommes. Attention, Florian Chenon, la quatrième position, le triple choix, la quatrième. 6, Hugo Dressou, 7, Maxime Marotte, 8, Yuri Ravioli, 9th place. Un bon podium, et allez pour la 16e position. Qui termine ici, ça porte 6 petites secondes. Ici, je vous laisse le recevoir pour les pilotes qui cherchent le plus d'adhérents. Carode pour la 21e position. RT, Anthony Zaragoza. Il allait s'aguerrir sur les Coupes du Monde. Ouais. Et l'arrivée de David Day, pardon. Et Jonathan Montero. Ensuite, les autres classements pour les moins de 23 ans. Troisième place dans la catégorie des moins de 23 heures 2017 qui arrive avec le smartphone à la main et du fier à Cosmo 31e. C'est Giuseppe Lamastra, 32e et 33e place sur Peter Pes. La meilleure 36e place à Rôle de Flandre, 35e Maximilian Hans. Et tu fais 5e espoir. Sur l'épreuve du Rock Trophy. Ça continue à arriver à leur profit. On va mettre quelqu'un avec une éponge là-bas au bout qui va essuyer les plaques. Et les... 13h. Oui, bah 1h, tranquille.